Voilà, nous retourner pour nous capables de présenter ou quelques minutes d'enseignement sur Genèse chapitre 1er. Nous espérons que nous bénis ensemble à travers parole livre. Et notamment, nous focus sur Genèse 1er, verset 26. Lecture côté nous sort lit côté nous constater que, en dans livre-là, plusieurs côtés dans le chapitre 1er, nous joignent que, texte lundi, Dieu dit. Et automatiquement, Dieu, c'est le créateur de toute éternité, le Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Et Moïse, dans sa inspiration, il est dit, Dieu dit. Le Tout-Puissant dit, l'Esprit des vivants dit, Elohim dit. Mais nous remarquons dans le verset 26, texte nous dit, Dieu dit, il parlait. Et ensuite, nous constatons une déviation qui fait dans le texte. Au lieu de dire que tout bagaille fait, dans tout premier l'autre verset, tout ça le dit matérialisé. Et dans le verset 26, il est dit, Dieu dit. Et puis, deux points, gon verbe qui vini, qui mettait yon dilemme not, par rapport de tout l'autre texte. Au lieu texte nan dit, Dieu dit, puisque c'est de l'homme qu'elle a parlé, pour le dire, Dieu dit, que l'homme soit fait. Selon son image, mais nous allons remarquer, c'est dans le verset 27, il va reprendre Saltado et dit dans le verset 26. Puis, gano, j'ai oublié que Bible, livre ça, c'est yon traducteur qui traduit par rapport de yon l'autre document. Ça au clair la donne. Et le nous fait recherche de traducteur ça, c'est docteur Louis Segond. Et l'homme fait recherche de Louis Segond. Nous jeune Louis Segond. Te gagnons croyance dans un Dieu en trois personnes. Et généralement, tout le monde suit Docteur Louis Segond. Bon, prenons une illustration. Par exemple, moi ba ou yon nouvelle ba yon l'autre monde. Nouvelle moi prend moi ba ou ba l'autre personnalité, hein?
Donc, le Mounsa qui recevait nouvelle là, pral pot nouvelle là, l'el pral bay nouvelle là, capable de gagner une déviation. Capable de gagner une déviation dans la nouvelle là. On dit c'est yobom copier yon document à travers yon original. Le map copier document, mais ta doué copier document selon l'original. Mais ça qu'arrivé pendant ma copié sous original là, ça n'arrive le vrai. Donc, par manque de négligence ou bien par méchanceté, moi choisi rapporter yon expression qui pas dans original. Donc ça pourrait arriver automatiquement. Donc erreur ça, négligence ça, par méchanceté que m'utiliser. Donc tout monde qui pral croire dans document que me copier pour de bailloa, donc pral prendre avec erreur parce que yo pas gain accès à original là. Ce qui est important, c'est tout le monde qui t'a donné accès à l'original là pour regarder exactement est-ce que traducteur ça, moun ka copier document pote ban mwen dans langue pam nan, fòm da gen capacité, mais majorité nan nous pa gagné capacité ça pour aller dans l'original et constater est-ce que copie ça gain erreur ou non. Donc c'est ça qui passé dans plusieurs documents. C'est ça qui passé spécialement dans Louis Segond. Docteur Louis Segond qui c'est un traducteur notamment l'aller dans l'original là. Et à l'époque, monsieur Sayo, c'est seul yo même qui te gen capacité ouais au original là. Et nous joignons à travers l'église catholique, les yon prêtre prend la parole. Donc toute assemblée a dit amen. Mais sans que en vanta dit amen, nous obéit pour nous dire amen, ça veut dire ça prête la dit c'est la vérité. Mais pas de nous yon à l'époque qui te dit en algade pour nous voir exactement est-ce que ça prête catholique la dit ya. Nous tous dit amen, est-ce que c'est la vérité? Un, en pile là nous pas de capacité. Hein? Deux, l'homme tellement négligent sa la vie spirituelle yo. Donc yo accepté n'importe bagay. C'est ça rivé à travers le monde entier. Négligence. La peur, si cause des peurs, pour moun pa di que, ou campé en face. Donc, à l'époque, tout moun, sa yo di ou de créateur, tout moun di amen. Mais, journée, jodi, c'est pas comme ça. Donc, nous jouen, en pile moun, qui gen capacité, lui second, qui a capacité prête yo pasteur yo bishop yo puis al gade exactement est-ce que
ça prête yo di a pasteur yo, évangéliste yo, apôtre yo, docteur yo, est-ce que c'est vrai? Ça veut dire devine de plus lumière que ténèbres de nos jours. Parce que majorité dans nous vingé capacité lui second. Un, les nous constater que lui second quoi dans une doctrine étant que yon catholique qui traduit document ça pour ban nous. Doctrine catholique là c'est un Dieu en trois personnes. Et c'est la raison pour laquelle nous joignons que dans l'assemblée catholique, yo, donc ils ont utilisé signe à croix. N'importe catholique convaincu, il croit dans la doctrine. Un Dieu en trois personnes. Et yo même yo gon signe que yo fait pour yo montrer ou que yo confesser croyance là. Yo gen pour yo dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, yo fait signe et automatiquement ça c'est confession croyance yo. Voilà que gen en pile nan nous qui pral gagner vérité a. Qui pral d'accord et croire et rechercher totalement que nous pas qu'à croire nan yon Dieu en trois moun. Nous pas qu'à croire nan Dieu en trois personnes. Et notamment, et c'est ça permet toute médiocrité sa yo à travers l'évangile. Que nous yo fait connait que nous devons accepter tout bagaille sans que nous pas vérifier mais moment ça li mande faut nous vérifier gen en pile nan yo qui porte l'évangile ban nous yo même yo pas gen confiance croyance yo dans le seul et vrai créateur de toute éternité. Au contraire, yo croit nan yon Dieu divisible. Et langage un Dieu en trois personnes, c'est yon langage yon Dieu divisible. Dieu le Père d'une part, Dieu le Fils d'une autre part et Dieu le Saint-Esprit. Et automatiquement vin genye yon paquet doctrine que nous croyons là-dedans yo qui pas vraiment ça qui pas réalité on dit première doctrine yo maintenant l'esprit ou nan famille yo dou famille en gen diable. Et là, yon identifié diable, yon montré, yon personnalisé li, ba ou, automatiquement, majorité nan nou vin peur. Et automatiquement, yon di famille, yon gen diable, li gen baka la donne. Donc, personnalité, kap fait déclaration, li pa jam di li même, li gen diable. Li pa jam di li même, li gen baka. Li pa jam di li même baka sa diab sa ka manjel mais toujours dit moun ki pa kapab de capacité pour faire recherche nan donc yo déposé
yon dogme. En dan yo pou yo d'accord que si yo pa obéi à sa yo di que diab sa manje yo. Vin gen la peur qui établit à travers le monde. Tandis que le monde ta droué croit nan yon être suprême. Sa yon être suprême, ça veut dire le tout-puissant, il est au-dessus de tout. Notamment, nous c'est petit spirituellement être suprême ça. Yon être suprême qui a pouvoir de vie et de mort, et le monde entier, majorité religion, a dit nous c'est petit li. Donc automatiquement nous dit nous c'est petit li, ça veut dire nous gagnons la toute puissance, le tout pouvoir qui servit de protection. Donc automatiquement moi toi t'a droit à marcher comme un homme fier, comme une femme fière, sans la peur, sans crainte, sans la psychose de peur, parce que le tout-puissant, le pouvoir par excellence autour de moi, avec moi, est une cité pour toute l'éternité. Notamment, c'est que dans le texte côté nous sortons li, nous avons plusieurs côtés dans le chapitre premier, côté la Bible dit Dieu dit et l'elle parlait, ça le dit. Et tant que parole li matérialisé sous forme qu'elle mandait là. Mais arrivé au verset 26 Genèse 1er, au lieu que traducteur l'a dit, Dieu dit de point que l'homme soit fait selon son image, donc bon combinaison à travers le verbe faire à l'impératif présent. C'est comme quoi Dieu dit, lui retire colle, lui pour permettre plusieurs personnalités créer l'homme. Et c'est ça plus gros problème, le plus gros problématique en pile religion. Yo continue à croire dans yon être divisible, dans yon être qui totalement distinct, séparé. Et tandis que langage là qui salte à droyer, c'est yon être, le plus grand être de toute éternité, le tout pouvoir, qui possédait plusieurs attributs, mais pas plusieurs personnes. Yon être, le tout puissant, c'est pas yon être en trois personnes, mais c'est le tout puissant, c'est yon être en plusieurs attributs, en plusieurs fonctions, en plusieurs caractéristiques, mais pas en plusieurs personnes. Donc, c'est le plus gros problème qui existait. C'est pas yon Dieu en trois personnes, mais c'est un être en plusieurs caractéristiques. Voilà le langage. Voilà l'interprétation. C'est un Dieu en plusieurs fonctions différentes. En plusieurs fonctions différentes pour le fonctionner, pour le permettre l'homme comprendre. Mais pas yon être, yon Dieu
en deux ou en trois personnes. Voilà le grand problème à tout le monde qui a cru. Si nous choisissons quoi, nous besoin continuer quoi dans l'être indivisible, mais manifesté en plusieurs fonctions, en plusieurs caractéristiques, en plusieurs attributs différents. Donc, c'est pas Dieu dit, li bay l'ordre et puis gen plusieurs personnalités qui pral. Non. Pas gen plusieurs personnalités qui créent un yin. Il y a qu'une seule personnalité, le Tout-Puissant, Elohim, le rocher des siècles, l'immortel invisible, qui a créé les cieux, la terre, inclus l'homme. Mais puisque lui second, c'est un businessman, lui second, c'est un catholique convaincu, lui fait doctrine ni en passé à travers le monde. Et c'est ça le grand problème à travers nos assemblées. Des personnes qui disent yo quoi dans le Tout-Puissant, mais toujours dans la peur. Des personnes qui disent yo quoi dans l'omniscient, mais toujours dans la peur. Des personnes qui croient dans l'omniprésent, mais dans la peur. Des personnes qui croient dans l'omnipotent, mais toujours dans la peur. Et pourtant, en toute réalité, si je crois dans l'omniscient qui identifiait, qui connaît le présent, le futur, le passé, pas grand-rien qui est obscur pour lui, il est absolu. Tout le monde qui croit besoin de témoigner, glorifier Créateur ça et témoigner. À lui seul soit la gloire. Mais pas à plusieurs, mais à lui seul. Mais dans le texte, il est dit faisons l'homme. Ça veut dire doctrine catholique là, l'issimaillé à travers toutes les assemblées. Doctrine catholique là, prend contrôle maintenant, tandis que si nous demandons en pile dans nous, nous ne sommes pas catholiques. Et c'est la division arrivée. Vingé division, baptiste, adventiste, témoin Jéhovah, islam, judé, tout ça, vingé des divisions entre nous. Au lieu de focus sur l'être le plus puissant du monde, qu'on appelle Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Donc, notamment, donc c'est comme ça, en réalité, pour nous croire. Il dit, que l'homme soit fait selon son image, et selon sa ressemblance. Mais le pire, le traducteur, Dr. Louis Segond, voulait faire passer doctrine qui c'est un Dieu en trois personnes. Trois personnes distinctes. L'on dit trois personnes distinctes, c'est comme ça tous les théologiens croient. Ça veut dire qu'ils sont différents. C'est des personnes différentes que vous voyez. Alors que, c'est pas ça. Donc, la réalité, c'est croire dans le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, un être
indivisible. Et adorer, témoigner gloire non, témoigner, exalter, salmodier, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Toujours être branché avec nous dans le service d'étudio pour nous capables de faire des lumières que nous portons dans nous et nous continuons à croire. Continuer à expérimenter l'être des êtres, le Tout-Puissant. De génération en génération, cruel et expérimentel. Que le Seigneur vous bénisse, restez branchés et nous pourrons rentrer dans la prière d'intercession. Rentrer dans la prière d'intercession pour nous capables de continuer à intercéder, pas oublier. Faire le Tout-Puissant confiance, lui seul. Sorti n'ayant un Dieu en trois personnes distinctes, ces domaines, ces doctrines catholiques qui presque régnaient à travers le monde. C'est ça que fait Jean. L'apôtre, il dit, il prophétisait et doctrine ça, identifié à la mère des prostituées. Ça veut dire mettre fausse doctrine. C'est l'Église catholique et tout le monde qui suit courant ça. Un Dieu en trois personnes, non? Quel que soit le groupement qui est lié, des poursuites courant ou fait partie de la mère des prostituées. Ou c'est yon nan prostitution yo, kap suiv courant ça. Et courant ça, l'hypothèse toutes sortes de doctrines, des doctrines mensongères. Pour faire une peur, faire une pas croire dans d'abord dans le Créateur et croire dans nous, cap adorer le Tout-Puissant, le Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Moun qui croit ou pas gagner pour peur spirituellement. Ou pas gagner à chasser aussi parce que vous avez le Tout-Puissant autour de vous, à l'intérieur de vous. Adorez-le et glorifiez-le. Disposez-vous pour être capable de terminer. Père éternel, le Tout-Puissant, nous dire merci. Merci pour ton amour infini, merci pour ta bonté, ta miséricorde. Merci Seigneur. Nous serons certains, même l'un t'a passé l'éternité. Abdou, merci, ça pas suffit.
car l'en ta compté bien faire yo envers nous yo au-delà de sa pensée. Merci pour le salut éternel. Merci étant que électé, sauvé dès avant la fondation du monde. Merci le fait que vous faites des personnes bénies, des personnes justifiées par le sang précieux de Jésus-Christ à travers le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha. Merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Père, nous prions pour le monde tout entier, chaque nation indistinctement bénie et sauvée, guérie. Nous intercéder ainsi, car ou bien pouvoir pour guérir, pour transformer et pour exéater. Seigneur, nous prions pour le pays d'Haïti. Chaque Haïtien, là côté où il est capable de continuer à croire en vous. Parce que après ou pas gagné, avant ou pas gagné. Nous prions pour tous les malades, les prisonniers, même si là ils sont frustrés. Nous levons au devant au Père, assistez-y et gardez-y et faites le nécessaire dans la vie. Yo, que volonté absolue ou capable. Prends contrôle et toute gloire va pour. Et nous toujours souligner dans la prière au temps fixé pour faire des choses merveilleuses. Au temps fixé pour faire des miracles, des prodiges. Au temps marqué pour opérer des miracles dans la vie de chacun de nous. Merci pour chaque bien-aimé qui était là. Ou t'es servi avec langage pour adorer. Pour te louer, bénir, accompagner et permettre chaque bien-aimé qui a écouté la plateforme radio de Bretrejuit TV va bénir à travers parole ça. Nous prions dans le plus grand nom de la terre, là, le Tout-Puissant, le Rocher des siècles, l'immortel invisible, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Espérant que nous rencontrerons l'autre fois dans une autre émission pareille. À bientôt.